1-2-3, vive l'Algérie, oui La chaîne d'État algérienne Canal Algérie, les gars, insulte. Alors, l'Algérie a décidé de trash-talk la France. C'est absolument dingue, Insulte violemment la France en la qualifiant de risée du monde suite à des critiques des médias français sur la réélection du président Abdelmajid Tebboune avec 95% des voix. C'est pas un score démocratique, ça, 95% des voix. On dirait la réélection de je qui au Togo ou au Ghana ou où les gars, ils vont voter trois fois de suite, et euh, si tu votes pas pour le mec, tu vas en taule, quoi, c'est bon, bref, c'est un peu n'importe quoi, mais soit, donc, la France a dit 95 et quelques pour cent des voix, c'est un peu bizarre, et l'Algérie, les gars, est en mode euh, délire total, avec cette présentatrice de télé, qui en plus ne croit pas un mot de ce qu'elle dit, c'est un peu gênant, je vais pas vous mentir, parce qu'elle bafouille, elle bafouille, elle arrive pas à lire son texte, elle se reprend à plusieurs fois, je, je sais pas, c'est un peu malaisant sans décloner. Vous verrez par vous-même, je vous promets, c'est un, un, un peu tendu. L'Algérie est un grand pays de liberté stable et prospère. Il <laughs> fallait la, la lâcher celle-là. Très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassé. L'Algérie est un pays beaucoup mieux loti que la France. On va voir après, hein, parce j'ai deux, trois stats sur l'Algérie des stats très graves et d'autres un peu moins graves mais vous allez voir qu'il y, y, y a les statistiques et les données qui vont arriver après on va voir si euh, ah, Canal Algérie a raison ou pas le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées alors je ne suis pas le monde entier mais perso je m'intéresse beaucoup aux avancées technologiques et scientifiques et euh ben, J'ai jamais vu l'Algérie, euh, mais vraiment jamais. Hein. Tu vois Israël, tu vois les États-Unis, tu vois la France, tu vois l'Allemagne, tu vois la Chine, il tu... y, y a plein de pays. L Afrique du Sud, l'Algérie, non. Bon, écoutez, le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées, hein, alors que la France est devenue la risée du monde. Bon, ben, écoutez, euh, ok, voyons ça. Au moment où la France vit une page, une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République, l'Algérie. Est, une grand, est un grand pays, la oh. liberté stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence très loin de la colonie de misère euh, dont vous avez été chassé pour euh, preuve les bons points délivrés par toutes les instances internationales, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Que cette chorale fasse l'effort euh, de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France est devenue un pays. Un Ingouvernable, elle elle n'arrive pas à lire. C'est un. Je vous jure, j'ai des frissons. J'ai des frissons de de, 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 des petites sueurs froides. C'est très gênant. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au monde. Alors, euh, on va voir après. Hein. Alors, la dette de la France, effectivement, c'est du grand n'importe quoi. C'est 3000 milliards, 98% du PIB, les gars. C'est du grand n'importe quoi. Mais euh, quoi, pas un centime de dette. L'Algérie. 49,5% du PIB en 2023, 68,9 milliards de dollars fin 2023, contre 61 en 2022. Donc la dette se creuse. De quoi tu parles Pas un centime de dette. C'est vous avez, vous avez craqué hein, les gars sans déconner quoi. Moment, au même moment où l'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette, au, moment, au même moment où la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie, de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Cette presse française qui a toujours fait preuve de cécité lorsque l'Algérie est citée en... Exemple oh partie, putain, elle, elle galère la dame, elle galère, elle galère à lire, c'est horrible. Comment ça se fait que En fait, soit tu crois pas en ce que tu lis, soit il y a quelqu'un derrière la caméra avec un fusil euh, qui te fait comprendre que tu as intérêt à pas te planter et donc tu es un petit peu stressé et tu pas à lire, soit il y a tes boons, là avec ces 95% qui, qui t'a dit quelque chose, je sais pas, mais il y, y, y a un truc qui va pas. L'Algérie est citée en. Exemple partout doit se rendre à l'évidence une bonne fois pour toutes qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie est un et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien. Conseil, gardez plutôt euh, du côté de vos protectorats car l'Algérie n'en est pas un, n'en pas un, pardon, et elle ne le sera jamais. C'est le serment fait au martyr de la guerre de libération nationale dans l'actualité. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Vous savez quoi On le réécoutera à la fin de la vidéo où je, je, je me tairai et vous aurez votre petite deuxième dose de malaise. Bon, les amis, revenons un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur ce qu'a dit euh, donc la, la, la fameuse dame. On va commencer par euh, la dette, on l'a vu tout à l'heure. Dette publique estimée à 49,5% du PIB. Euh, L'Algérie n'a pas un centime de dette. Mais qu'est-ce que tu racontes, fille Moi, je veux bien, les gars. Moi, je suis, moi, je suis patriote. Moi, je veux bien qu'on mette en avant le discours national et qu'on, qu'on se vende en fait, ces principes. Hein. En économie, apprendre à se vendre, c'est pas, c'est pas mentir, c'est apprendre à se vendre, c'est se mettre en avant, c'est, c'est, montrer nos, 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 qualités, nos capacités, occulter les défauts. Enfin, tout le monde fait ça. J'ai aucun Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, mais là, enfin. Ça sent ça sent le mytho, ça sent le mytho à plein nez. Quand un, un débile profond à 45 de cuit peut te dire que ça sent le mytho, c'est que ton mytho est mal fait, tu vois. C'est plus du euh, je me vends et tout ça. C'est de la mythomanie qui, qui, qui est visible même pour un aveugle, quoi. Donc, à dette publique, bon, on a vu. Alors, effectivement, la France, euh, ça, craint, ça craint des boulons. Hein. Euh, en Belgique, chez moi, on est à plus de 100% de dette aussi. Enfin, voilà. Les pays occidentaux fonctionnent sur la dette. Ah, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de dire que l'Algérie, ceci, cela. Juste, dis pas qu'il n'y a pas un centime de dette, c'est du grand n'importe quoi. Deuxième petite, euh, petite stat, alors ça c'est rigolo aussi. On a l'impression qu'elle a un flingue sur la tempe pour lire le communiqué, nous dit euh, Gurvan Leyal. Effectivement, alors on en est où ici hein Économie, détail pour l'Algérie et la France. Donc monnaie, hein, euh, 1 euro 100 centimes, 1 euh, dinar algérien euh, 100 centimes. Taux de chômage à Algérie, 11,8 pour 7,3 pour la France. Taux d'inflation, 9,32 pour 4,88. Coût de la vie, ah évidemment, c'est quasi un peu, un, peu, un peu plus de deux fois moins cher de vivre en Algérie qu'en France. La France, ils l'ont mis à 100% et l'Algérie à 38% de la France. Impôts commerciaux plus taxes. 66% pour l'Algérie, contrairement à 60% par rapport pardon, à 60% pour la France. Mais putain, niveau, euh, impôts commerciaux et taxes, l'Algérie, taxe plus que la France. C'est un peu ouf. Revenu moyen, 4 587 euros pour 41 000 en France. Dettes publique 52% pour 92%. Indice de corruption, 64. <laughs> Ce qui est très mauvais. Court, euh, pour euh, 29 euh, en France. C'est du grand n'importe quoi. Un qualité de vie, un valeur respectivement de zéro. Donc, plus on est bas, plus c'est mauvais. Plus on est haut, plus c'est bon. Stabilité politique, 43 pour 73. Droits des citoyens, 26 pour 84. Santé, 59 pour 90. Climat, 75 pour 55. Oh, ça c'est beau ça. Bravo l'Algérie. Peut-être là que vous avez des avancées technologiques que le monde vous envie. Coût de la vie, 93. Donc, euh, très bon. Contrairement à la France, qui ben, est un pays riche. Et on évidemment, c'est euh, plus cher en France, 31. Et popularité. <laughs> 35, soit euh, bah, pas génial, pour 88 euh, en France, hein, niveau popularité, effectivement, euh, le monde vous envie peut-être vos avancées technologiques, mais niveau populaire, euh, c'est pas ça, hein, j'ai envie de te dire. Bon, je crois qu'ils ont juste le somme en fait, euh, Théboune qui a été réélu à 94,65% des votants, non, non, 4,65 quoi, sans déconner, c'est quoi ce score démocratico euh, Oh c'est du grand n'importe quoi. Bon, la dette, la dette, la dette, voilà, alors les grandes avancées algériennes. J'ai demandé à Google, après j'ai demandé à ChatGPT pour le QI moyen, vous allez voir que malheureusement, c'est très grave. Alors, a priori, euh, les inventions algériennes euh, selon Google, bon, elles datent pas d'hier, voilà, euh, voilà. Alors euh, les mathématiques. Ok, mathématiques, c'est euh, invention algérienne. Euh, L'inspiration de la suite de Fibonacci. Ok, l'invention probable du logarithme. Oh, on ne sait pas trop. Peut-être. On dit que je ne sais pas trop. Bon, allez, on va le donner à l'Algérie parce, euh, parce que ça rame un peu. On va quand même leur filer euh, leur filet ça quoi. L'astronomie. Ok. Ok. Bon, et Google aussi, euh, sur euh, autre question, c'est un peu claqué au sol, mais bon, voilà, pourquoi pas. La diffusion et la pratique de l'astronomie, les tables astronomiques, voilà, envie de vous dire, pourquoi pas. Et alors à GPT, j'ai demandé quelque chose de très, très grave. Alors d'abord, je lui ai demandé de faire un classement des pays euh, du monde euh, en général. Fais-moi un classement des pays les plus performants au niveau des avancées technologiques ou scientifiques. Je me suis dit que si le monde envie l'Algérie, elle devrait au moins être dans les... Bah, J'allais dire les trois premiers pour rigoler, mais au moins les cinq, les dix, voire les quinze, ou vingt, ou trente, ou cinquante premiers. Eh ben que mon ami, sur la liste euh, du monde, euh, elle y est, euh, Waloulou. Là, il n'y a que les dix premiers, mais euh, j'ai été beaucoup plus loin, et euh, Walulu, hein, euh, voilà il n'y est pas. Et alors, je me suis dit, bon, on va quand même essayer de, de trouver quelque chose. Fais-moi un classement, demandez à ChatGPT des pays d'Afrique les plus performants au niveau des avancées technologiques ou scientifiques. Bon, t'as l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria. Quand tu vas au Kenya, au Nigeria, tu dis, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Maroc, Tunisie, Rwanda, Ghana, Maurice, Éthiopie. Non, on n'est pas dans les 10 premiers, quoi. Puis là, il me fait euh, conclusion, les pays, machin, machin. Mais je fais, mais attends, euh, continue le classement, s'il te plaît, euh, chat GPT. 11, Ouganda, Botswana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Zambie, Namibie. Et finalement, numéro 17, entre la Namibie et la Tanzanie, <laughs> l'Algérie. Alors euh, voilà, l'Algérie se distingue par ses efforts dans les énergies renouvelables, hein, on a vu ça, hein, le climat. Les euh, TIC et l'industrie aérospatiale avec le lancement de plusieurs satellites d'observation. Hein. Très bien. Tu sens quand même que Tchad GPT galère un peu à te lâcher, euh, à t'expliquer pourquoi euh, il est 17ème d'Afrique. Hein. Le pays investit également dans l'amélioration de ses capacités de recherche scientifique, hein, en particulier dans les sciences de la vie et les nanotechnologies, les amis. Hein, donc, euh, probablement que si un jour il euh, y a de la nanotechnologie euh, dans votre vie, ce sera grâce à l'Algérie. Conclusion, machin, machin, on s'en fout. Et alors là, j'ai demandé quelque chose de, bah, de, de très grave. Euh, j'ai demandé à ChatGPT classe-moi les pays du monde par moyenne de QI. Bon. Alors on a Hong Kong, Singapour, hein, Corée du Sud, Japon, Chine, Taïwan, Italie, Suisse, Pays-Bas, Allemagne. Hein, C'est euh, le top 10 selon Tchad GPT. Je hein, suis plus ou moins ça. Autriche, Suède, Vietnam, euh, Royaume-Uni, Canada, Belgique. Ah, Belgique, le roi, la loi, la liberté. Poète, poète, poète. Ah, la France n'est pas dedans. Hein. Désolé, hein, vous n'êtes pas dans le top 20. Je crois que vous êtes à 97 ou 98. On se demande pourquoi d'ailleurs. Royaume-Uni, hein, Canada, Belgique, hein. Australie, Finlande, Norvège, États-Unis. Facteurs influençant le score du TUI, etc. Attention, hein, évidemment, euh, les TUI euh, sont des indicateurs très généraux et ne tiennent pas toujours compte de la diversité, de l'hétérogénéité au sein de chaque pays, etc. etc. Euh, voilà, ça c'est histoire de ne pas faire euh, mon gros euh, QI-TUI, QI, vous n'avez pas de QI. Quel est le QI moyen algérien Demandais-je à ChatGPT Alors ChatGPT euh, me dit hein, que le QI moyen algérien est entre euh, contenu entre 83. Et euh, 85, soit la moyenne basse. Alors, ce n'est pas encore euh, débile léger. On n'en est pas loin, mais ce n'est pas euh, débile léger, c'est la moyenne basse. Alors, euh, position par rapport à la moyenne, hein, dont je vous dis en termes statistiques, cela place une personne avec un QI de 85 environ dans les 16% inférieurs de la distribution des scores du QI, ce qui signifie qu'environ 16% de la population générale a un QI inférieur à 85%. Donc l'Algérie se situe dans les 16% inférieurs. Bon, écoutez, euh, voilà, moi j'ai envie de vous dire, euh, hein, c'est pas grave, hein, le monde leur envie, leurs avancées technologiques, hein, d'après. Euh, D'après cette, cette charmante journaliste. Et alors, j'ai demandé aussi un euh, impact hein, sur euh, l'éducation et la vie professionnelle. Alors, dans le cadre scolaire, un hein, QI de 85 peut être associé à des difficultés dans des matières qui exigent des compétences analytiques euh, élevées, hein, telles que les mathématiques avancées ou les sciences. A priori, euh, voilà, encore une fois, je ne vais pas faire ma vanne, mais bon. Bien que de nombreuses personnes réussissent bien avec un soutien pédagogique approprié, hein, avec un soutien pédagogique approprié. Donc, il faut déjà un soutien pédagogique et il faut qu'il soit approprié. Donc, euh, bon. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, euh, pourquoi pas. Dans le cadre professionnel, les personnes avec un QI de 85 peuvent exceller dans de nombreux emplois pratiques et techniques. Particulièrement, ceux qui reposent sur des compétences concrètes et moins sur des tâches conceptuelles. Euh, concrète. Donc tout ce qui est conceptuel, analytique, c'est un peu plus compliqué. Mais vous savez quoi, vu que nous ici, on n'est pas des, 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 des vilains méchants, on va retenir une seule chose. C'est ça, on va retenir que dans le cadre professionnel, les personnes avec un QI de 85 peuvent exceller dans de nombreux emplois. Voilà ce qu'on va faire, regardez. On va prendre ça. Je vais le rédacte. Donc il va disparaître. Et on va uniquement garder cette phrase. Pour l'amour de l'Algérie, des papillons et des petits oiseaux, dans le cadre professionnel, les personnes, donc les Algériens, hein, avec un QI de 85, peuvent exceller dans de nombreux emplois et donc faire la fierté scientifique du monde. Car le monde envie euh, l'Algérie. Évidemment, moi je n'en doute, mais pas une seule seconde, les amis. Alors si vous le voulez bien. On va terminer, bon évidemment je rigole. Hein. On va terminer, je rigole. 1, 2, 3, vive l'Algérie, hein. aucun souci, hein. détendez-vous, je vais me faire des amis avec cette vidéo. Moi. Euh, on va vite lire les commentaires, puis je vais vous remettre la vidéo, un petit coup de malaise, et puis on va se laisser là. Pourquoi elle parle la langue de l'ancien colonisateur À hein, nous dire, ça je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Euh, Zora Bitan nous dit J'adore les Algériens, et leur capacité à s'auto-persuader de choses les plus loufoques. Ils sont capables de t'expliquer qu'ils ont construit un laboratoire secret sur Mars, qu'ils ont inventé le vaccin contre la polio et que leur agriculture nourrit pardon, le monde entier. Oui Bah oui, Jamie, c'est écrit dans le Coran On dirait un sketch des inconnus, nous dit euh, épicier qualifié. Je peux pas le mettre parce que sinon la vidéo, euh, la vidéo va être strike euh, striked Mais effectivement, les inconnus de JT Chili, je le connais. Et c'est un peu ça, c'est vraiment la meuf qui a un fusil sur la tempe et qui doit réciter son texte et qui le récite mal parce qu'elle est super stressée. Voilà bon les amis, vous savez ce qu'on va faire On va réécouter et je me tais ce JT algérien de toute beauté. Et euh, on va essayer de ne pas être malaisé, hein on va dire ça comme ça. Au moment où la France vit une page, une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République, l'Algérie est, est un grand pays de liberté stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassé pour preuve les bons points délivrés par toutes les instances internationales, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France. Je vous rappelle, institution légitime, 94% t'es hein, 94%, puis on va parler de la dette, euh, on est sur du, quoi, 40 milliards euh, 48% du PIB en 2022, donc 68 milliards. Ouais, désolé, j'avais dit que je me taisais, pardon. Et devenu un pays... Un... Ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au, moment, au même moment où la France, avec plus de 3000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés ça, en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie, de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Ah, ça, je ne l'avais pas noté. Parce que, attention, le monde... Ah, euh, l'Algérie, dans tous les domaines, les gars, tous, tous, dans tous les domaines. Non, mais il euh, faut, faut doser un petit peu. Encore une fois, le patriotisme, hein, j'ai rien contre, mais là, euh, il <laughs> faut doser un petit peu, les gars. De l'Algérie de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde, cette presse française qui a toujours fait preuve de ses cités lorsque l'Algérie est citée en exemple partout, doit se rendre à l'évidence une bonne fois pour toutes. Qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie est un et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien. Un conseil, gardez plutôt du côté de vos protectorats, car l'Algérie n'en n'en est pas un pardon et elle ne le sera jamais. C'est le serment fait au martyrs de la guerre de libération nationale. Eh ça, bon écoutez, euh, on va arrêter de bafouiller, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. je crois que je vais pas me faire énormément d'amis, désolé hein, les amis algériens, moi j'ai rien contre vous, euh, aucun souci, c'est juste, euh, voilà, faut un petit peu doser quand même dans les JT, euh, pas trop exagérer, parce que sinon euh, ça se voit que c'est du mytho, moi bon, encore une fois, j'ai rien contre le patriotisme, vous pouvez euh, vous mettre en avant, vous vendre et tout, c'est très bien, mais euh, bon... <laughs> Quand même pas exagéré, quoi. Tu bon, c'est juste ça. Bah. Après ça, pas mal, tout ça, tout ça. Bon, allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous aussi, vous avez entendu parler des nombreuses avancées technologiques algériennes dans tous les domaines que le monde leur envie euh, Écoutez, dites-le moi en commentaire. Il hein. ouais, y a un peu d'agriculture, la nanotechnologie, j'avoue, j'y crois qu'à moitié, mais pourquoi pas me demande si ce ne serait pas des pays étrangers qui auraient injecté un pognon absolument incroyable, parce que c'est peut-être moins cher de faire les recherches là-bas ou quoi, j'en sais rien, mais que ce soit vraiment euh, des avancées algériennes, algériéno-algériennes dans le domaine de la nanotechnologie. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez des infos, je les lirai avec grand plaisir, mais je ne vais pas vous mentir, j'y crois qu'à moitié. Bon, allez, tel crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Euh, en ce qui concerne, par contre, les avancées technologiques belges que le monde nous envie, il y a. Voilà, bon allez, c'était crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits loups. Bah ouais, j'ai aussi de l'autodérision, évidemment. Hein. Évidemment. Voilà, bon c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous très fort, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Euh, prenez soin de vous. Des bisous et à bientôt. Tchou! Évidemment.